Bonjour. Prêt ou prête pour votre séance de relaxation? Eh bien, installez-vous le plus confortablement possible dans une position qui va vous permettre de relâcher complètement tous les muscles de votre corps. À tout instant, durant cette relaxation, il est possible de changer de position. Le principal est que vous vous sentiez bien. Dans cette position confortable, laissez vos paupières se refermer. Centrez-vous sur votre monde intérieur, à l'écoute des sensations de votre corps et à l'écoute de vous-même. Écoutez également votre respiration. Vous pouvez suivre le mouvement de va-et-vient naturel de votre respiration. Il est possible que vous entendiez des bruits extérieurs, mais ils ne vous gêneront pas. Vous allez maintenant respirer deux ou trois fois plus profondément, en gonflant le ventre à l'inspiration et en le rentrant à l'expiration. Et puis, vous retrouvez votre rythme respiratoire personnel. Laissez doucement s'installer cette respiration abdominale, calmement et tranquillement. Cette respiration ressemble à celle que vous avez lorsque vous dormez. Je vous propose maintenant de centrer votre attention sur votre visage. Laissez les muscles de votre front se détendre entièrement, ainsi que tous les petits muscles autour de vos yeux. Détendez vos paupières. Laissez-vous aller simplement. Puis relâchez les muscles de vos joues, de vos mâchoires, du pourtour de votre bouche. Laissez la détente progresser le long de votre nuque, le long des muscles de votre cou, de vos épaules, de vos bras, de vos avant-bras, de vos mains, jusqu'au bout de vos doigts. Vous sentez comme vos bras sont maintenant complètement détendus et lourds. Laissez progresser cette bienveillante détente le long de votre dos, tout le long de votre colonne vertébrale. Relâchez également les muscles de votre poitrine, laissant ainsi toute la place à vos mouvements respiratoires. Votre ventre se détend, ainsi que votre ceinture abdominale. La détente gagne vos muscles fessiers, les muscles de votre bassin, puis elle descend le long de vos cuisses, de vos mollets, de vos pieds, jusqu'au bout de vos orteils. Vous ressentez une sensation de lourdeur agréable au niveau de vos jambes. Tout votre corps est maintenant relâché, détendu. Laissez-vous aller quelques instants et profitez pleinement de cette sensation particulière à l'écoute de votre corps, dans une détente totale. À présent,
venez vous recueillir dans ce sanctuaire que je vous propose de créer. C'est un endroit secret qui n'appartient qu'à vous. Un petit chemin sinueux dans la nature mène à ce lieu si particulier. Puis, vous parvenez à une grotte. Imaginez cet endroit en fonction de ce que vous aimez, car c'est avant tout un endroit réconfortant pour vous. Un feu chaleureux y crépite. Il vous réchauffe. Une pénombre nimbée d'une lumière diffuse règne dans ce refuge. Tout ici concourt au recueillement, à la méditation, au calme. Prenez le temps de créer votre décor, d'y installer les éléments qui vous font du bien, qui vous rassurent. Et puis vous percevez une présence. Quelle serait la personne qui pourrait vous aider en prévision d'une épreuve à laquelle vous souhaitez vous préparer? Je vous propose de nommer dans votre tête cette personne, votre aide intérieure. Imaginez qu'elle vienne vous apporter son aide, son réconfort, pour vous préparer le plus positivement possible à ce que vous pouvez vous apprêter à vivre. Votre aide intérieure vous communique sa douce assurance, sa sérénité. Elle est comme un miroir, vous renvoyant vos propres qualités. Quelles sont-elles? Regarde au fond de toi-même et prends conscience de tous tes trésors, de toutes tes ressources qui te permettront de faire face à ton futur en disposant de tous tes potentiels. Au fond de la grotte, vous distinguez un tout jeune enfant. En vous approchant de lui, vous vous rendez compte qu'il s'agit de vous-même. Il est l'enfant que vous étiez. Et cet enfant, cet autre vous-même, vous rappelle qu'au fond de vous, vous savez ce qui est juste pour vous. Vous connaissez la direction à prendre, les options à choisir, les solutions pour vous préparer au mieux. Spontanément, avec toute la fraîcheur et la naïveté d'un enfant. Votre aide intérieure vous confirme ce que vous savez déjà. La réponse est en toi. Renforcé par la découverte de tant de trésors, vous reprenez confiance en vos ressources sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer dans votre vie quotidienne, pour faire vos choix, pour appréhender les moments importants de votre vie personnelle et professionnelle. Imaginez que votre échéance se déroule de façon idéale et vous respirez en visualisant cela. Et puis, tout doucement, vous allez reprendre contact avec les bruits extérieurs, à remettre votre corps en éveil, en ressentant vos points d'appui, en bougeant vos extrémités, pieds et mains, de vous étirer, de bâiller et de n'ouvrir qu'au dernier moment
vos yeux. Je vous en remercie d'avoir suivi cette séance et je vous dis à bientôt.